C'est avec plaisir que je m'adresse à vous. Comme vous le savez, je suis maire depuis presque 6 ans. Pendant ces années, notre ville a vu naître beaucoup de réalisations. La liste est trop longue, mais je pense que nous avons réussi de belles choses. Bien sûr, beaucoup reste à faire. Notre bataille pour le transport a été gagnante. Le RER fonctionne mieux. Le métro du Grand Paris est décidé avec 2 gares en projet au Blanc-Mesnil. Le centre commercial plein air, la rénovation, la reconstruction des cités, le nouveau centre-ville avec de nouveaux commerces et le cinéma, desservi par le bus 620. Au sud, nous avons créé ce bel équipement qui est le 2 pièces cuisine. Au Tilleul, nous avons ouvert le complexe sportif avec la belle salle de gymnastique. Nous avons également ouvert la résidence pour les étudiants et les jeunes salariés en cœur de ville. Nous avons également investi dans nos centres municipaux de santé. Nous avons fait un effort particulier pour l'environnement, le fleurissement et la propreté. Je pourrais bien sûr citer beaucoup d'autres exemples. Comme vous le savez, les prochaines élections municipales, c'est pour la fin du mois de mars. Nous devons maintenant parler de nos projets, de quelle ville nous voulons. Je m'engage pour une ville où chacun et chacune puisse vivre en sécurité, chacun et chacune soit respecté. Les priorités des Blanc-Mesnilloises et des Blanc-Mesnilloises sont les miennes. Nous allons de toutes nos forces nous rassembler pour gagner. Pour gagner le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à transport. Le développement économique pour la création d'emplois doit être un combat de chaque jour. Blanc-Mesnil est une ville équilibrée. Mais les conséquences de la crise font des dégâts insupportables. Nous devons plus que jamais être la ville de toutes les solidarités. En même temps, nous devons construire l'avenir, poursuivre son équipement, moderniser nos zones d'activité économique. Vous avez vu que le mouvement est bien enclenché de ce point de vue-là, dans la zone de la Molette. Vivre mieux dans une ville plus belle, je sais que c'est possible, j'en suis convaincu. Pour ces projets et pour bien d'autres, pour ne pas laisser notre ville aux mains des affairistes, j'ai besoin de vous, nous avons besoin de nous rassembler. Un large rassemblement est en cours avec la majorité municipale et bien au-delà. Vous avez bien sûr probablement des questions, des souhaits, des espoirs. Je veux, nous voulons les partager avec vous. Peut-être êtes-vous prêts à vous engager, tous ensemble en tout cas. Nous pouvons gagner, nous allons gagner. Alors si comme moi vous avez Blanc-Mesnil au cœur, n'hésitez pas à rejoindre notre comité de soutien que préside notre députée Marie-Georges Buffet. Parlez-en à vos amis, collègues ou voisins. Nous aurons la possibilité d'en parler de vive voix à une occasion très prochaine, je l'espère. Merci et à bientôt.